Salut à tous et bienvenue pour le retour du P8000 suite et fin. On va faire le season final. Nous avons enfin réussi à faire fonctionner donc ce P8000. Donc on va être gentil, on va oublier les deux précédentes vidéos. Mais je reste tout de même, comment dire, très, très surpris en fait de sortir, d'oser sortir un smartphone avec autant de soucis. Ça veut dire que un utilisateur lambda ayant commandé son smartphone sur une boutique en Chine se retrouve avec un smartphone qui ne fonctionne pas. Et s'il n'est pas adepte de la technologie qui tourne autour en fait des smartphones sous Android, ne saura pas quoi faire avec, le renverra donc en maintenance, perte de temps, coût d'envoi, enfin bref, tout un cinéma habituel sur les smartphones commandés en Chine. En l'occurrence, la dernière mise à jour proposée par Elephone, qui date donc. On va regarder ça tout de suite, c'est le 12 août, me semble-t-il. On va vérifier ça tout de suite. Et on vous expliquera comment en fait effectuer donc cette mise à jour. Ici, donc c'est bien ça, vous le voyez. Donc version personnalisée au 15 août 2015. Donc cette version n'apporte toujours pas de rétroéclairage, en tout cas pas de rétroéclairage, mais en tout cas d'éclairage de la lettre de notification, rien du tout. Il semble plus performant en termes de caméra. Quoi d'autre? Et bon, la chose principale, c'est qu'il fonctionne. Donc, on va vérifier ça tout de suite via nos différents outils de test habituels que nous utilisons chez Sinophonix. Et on va regarder ça tout de suite. On va commencer par notre outil de test de batterie, Geekbench, version 3. Donc là, on est sur les résultats donc de benchmark classique. On va regarder les résultats donc de la batterie. Là, actuellement, elle est à 95%, mais nous avons déjà effectué bien entendu les tests. Et alors, chose très étonnante, c'est donc une batterie annoncé pour 4165 mAh, message officiel de Elephone. Donc elle a tenu 12h44, ce qui semble être un bon score pour ce type de batterie. Mais je tiens à vous rappeler que dans une précédente vidéo, le Ligou Elite 5, qui lui est annoncé pour une batterie de 4000 mAh, a tenu un peu plus de 14 heures. Donc, les tests sont identiques au niveau de Geekbench.
Donc, moi j'ai mes quelques doutes sur la capacité de cette batterie, sur le fait qu'elle soit réellement de 4165 mAh. J'ai quelques doutes. Autant, voilà, les 4000 mAh annoncés par Ligoo sur son Elite 5 me semblent corrects et même bons, puisque plus de 14 heures donc de tenue. Là, j'émets quelques doutes, puisque les tests sont identiques. Bon, voilà, je me pose des questions. Alors, certes, le processeur n'est pas le même. On passe d'un 53, enfin, d'un 6753 sur le P8000 à un 6735 sur le Elite 5. Bon, est-ce que vraiment cette différence de processeur où on en a un 1 GHz et l'autre à 1,3 sur le P8000 font que on perd 1 heure et demie en gros. Bon, en tout cas, bon, les scores sont là, ils semblent bons, donc on tient quand même la journée sur l'utilisation poussée du téléphone. L'outil que nous avons décidé d'installer, c'est l'analyse en temps réel en fait de la température du CPU installé sur les smartphones, parce que sur ce P8000, il semble que ce CPU, le 6753, chauffe très vite. Donc, nous allons lancer donc le CPU température testeur. Donc, on voit la température à l'instant T. Le niveau d'utilisation du CPU, ok. Donc la charge de la batterie, ok. La batterie est à 27 degrés et le CPU à 29. Donc on va utiliser donc nos outils de test et on vérifiera à nouveau la température affichée sur le CPU testeur. Température. Donc on va pas sortir d'ailleurs, on va le laisser tourner en tâche de fond. Et on va regarder tout de suite les résultats du screen test que l'on va faire donc devant vous en direct. Et par rapport en fait au comment dire P7000 qui a priori avait pas mal de tâches sur son écran. Alors cet outil est radical puisque en fait vous pouvez en voir. Malheureusement, regardez bien. Donc il y en a une ici, une là, et une encore ici. Là, c'est pas un reflet, il y en a une aussi par ici. Donc est-ce que c'est la surchauffe à nouveau en fait de cette batterie ou CPU, je sais pas lequel encore surchauffe le plus. On va vérifier ça après. Mais voilà, il y a moins de tâches que sur un P7000, mais il a tout de même des tâches. Donc des tâches et des petits points blancs là que l'on voit correctement d'ailleurs. Alors par la suite, bon bah par contre, il a un noir vraiment profond. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les tâches, on les voit encore ici d'ailleurs. Voilà, là, il y en a une là et toujours ici. Bon, donc le rouge, bon, il est parfaitement rouge. Le vert. Voilà, parfait aussi. Mais bon, ce que je regrette, c'est ces tâches. Parce que, en fait, si l'on vérifie dans la première vidéo, j'avais fait un test rapide, me semble-t-il. Là-dessus, j'ai un trou de mémoire. Mais j'avais regardé au premier lancement du P8000 le screen test pour vérifier s'il avait des tâches. Et il n'avait pas de tâches. Donc cet écran, me semble-t-il, vieillit de manière prématurée, certainement à cause de ces fortes chaleurs dissipées par la batterie ou le CPU. Mais on va donc vérifier après qui surchauffe le plus. Donc le bleu, parfaitement bleu, gris, gris, blanc, bref, on voit toujours ces taches, hein, on les voit correctement. Une espèce de halo blanc avec une tache ici. Pareil par ici. Vous voyez les tâches là, là. Donc, a priori, c'est des tâches, mais pas de pixels morts.
On va regarder les niveaux de gris. Donc les niveaux de gris sont plutôt sont bons. C'est pas plutôt, ils sont bons. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais même dans les niveaux de gris, on voit les taches. Alors sur certains gris, elles apparaissent moins. Mais par exemple ici, on en voit une. Voilà, c'est bon. Ça, cet outil radical pour vérifier la qualité de l'écran. Donc les niveaux de couleurs, bon, rien à dire. Voilà, bref, on a fait le tour. On vous a montré les tâches. Le screen test, voilà. Et donc on va continuer par le GPU Bench. Le GPU Bench qu'on a déjà fait tourner. Et donc le GPU Bench. Donc stop à la pub. Voilà. Donc le GPU Bench, voilà les résultats. Tout sur la MT6753, pardon. Bon, initialisation, on va voir ça tout de suite. Le test. Et on le laisse tourner. À tout de suite, on va se mettre en accéléré. Nous allons vérifier, donc tout de suite vérifier, non, mais regarder une petite vidéo. On va couper le son avant pour pas qu'on nous supprime cette partie sur YouTube. Donc une vidéo pour regarder la qualité de cet écran via donc par exemple YouTube, hein, puisque voilà, la plupart d'entre vous allez regarder justement. Qu'est-ce qu'on pourrait celle-ci sans musique, donc une vidéo en 4K, même si l'écran n'est pas 4K, qu'il n'est pas 2K, mais on voit tout de même donc la qualité de la vidéo et de l'écran surtout, bien sûr. Une vidéo un peu plus lumineuse serait la bienvenue. Donc on va se mettre comme ça et voilà, on va zoomer. Voilà. Donc vous voyez qu'il a quand même une belle luminosité. Même sur si sur ces vidéos on ne voit pas les tâches effectivement. Bref, il est quand même malheureux que cet écran soit voilà au bout de, allez, on va dire 15 jours. De tests, de restauration multiples et diverses et variées sur ce smartphone, que l'on ait des tâches. Bon, ça c'est vraiment dommage, mais voilà, vous voyez quand même la qualité de l'écran grâce à ces vidéos Ultra HD. Donc ça là-dessus, voilà, il n'y a pas de souci. C'est quand même un écran de bonne qualité, même si il y a ces taches sur les côtés gauche. Alors, une chose qui ne fonctionnait pas auparavant, avant la mise à jour, et lorsqu'il fonctionnait un tout petit peu, nous avions testé l'OTG et l'OTG ne fonctionnait pas. Donc, est-il oui ou non OTG? Bien, écoutez, on va le vérifier ça tout de suite. Donc, on a notre câble, notre lecteur de micro SD dans lequel on va insérer notre carte micro SD. Voilà. On va dézoomer un petit peu pour que ce soit voilà, un peu plus net. Donc on a notre carte micro SD dans notre lecteur et sur le câble OTG. On a branché. Et il ne se passe rien. Donc,
Ce câble fonctionne parfaitement, le lecteur aussi, puisqu'il a été testé sur d'autres smartphones. Donc le P8000 n'est pas OTG. Quelle bizarrerie! Donc voilà, une chose de plus qui n'existait pas. Ou alors, est-ce lié à notre smartphone? Voilà, en tout cas, lui, il n'est pas OTG. Voilà. Donc, de plus, je peux faire le test en live. Si j'insère donc la carte micro SD que nous avons ici, donc, qui est une carte qui n'est pas extraordinaire, puisque c'est une 16 Go, d'accord? Eh bien, écoutez, si je mets donc cette carte micro SD dans le lecteur de ce P8000, elle n'est pas reconnue. Impossible de la lire. Donc, pour en revenir à ce souci de firmware livré en standard en fait sur ce P8000. Ensuite la mise à jour donc qui date du 28 juillet donc où de toute manière rien ne fonctionnait sur ce smartphone. On est bien d'accord, vous avez vu les précédentes vidéos. Un certain nombre de commentaires en fait ont été bien sûr dans notre sens. Donc il apparaît que la mise à jour du 15 août semble enfin propre et correctement développé, puisque ce n'est que des problèmes de développement chez Elephone. Donc pour réussir à faire fonctionner cette mise à jour donc du 15 août, il vous faut utiliser donc l'outil Flash Tool qui vous permet donc de charger une ROM fournie par la marque. Donc, en l'occurrence, est-ce que cette mise à jour du 15 août a été mise à disposition via OTA ou pas? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que nous sommes allés la chercher sur le site Elephone, sur le forum. Suite à ça, ce que nous avons effectué au niveau de ce smartphone, donc avec la ROM du 15 août, on a déjà fait un firmware upgrade complet. Et suite à ça, nous avons fait un format all. L'ensemble a été mis à jour et c'est suite en fait à ces deux manipulations que ce smartphone P8000 fonctionne enfin. Donc la conclusion que l'on fera sur ce P8000, oui, il est beau. Après, c'est les goûts de chacun, on l'a déjà dit. Il est plutôt bien fini, cadre en métal épais. Bon, il fait son poids. Il est sympa, oui, il est joli, mais alors il manque un nombre de fonctionnalités pas possible. Donc l'OTG qui ne fonctionne pas, notre carte micro SD de 16 Go qui n'est pas reconnue dans ce smartphone, la LED de notification qui ne fonctionne toujours pas avec cette mise à jour qui date du 15 août, elle ne fonctionne pas. Pas du tout. Bon, voilà quoi. C'est. Moi, je trouve vraiment désolant ce smartphone. L'écran qui a pris des taches après 15 jours de test, effectivement approfondi. Donc, ça veut dire que dans le temps, il tiendra pas le choc, il tiendra pas le coup, même si le boîtier ne se déforme pas et qu'il résiste parce qu'il est épais et que c'est vraiment de l'alu costaud. Ok, mais ça reste que ça. Et le plus gros défaut, c'est le développement de leur ROM au niveau du firmware. C'est du grand n'importe quoi. Donc, c'est vraiment sortir de ROM de 800 MB en quasiment 3 semaines d'intervalle. Et peut-être qu'il y en aura encore une bientôt. C'est quand même du grand n'importe quoi. Ça veut bien dire et ça prouve bien que Elephone sort rapidement ses smartphones
sans tester correctement les ROM une fois installés sur le téléphone. Donc au final, ça fait un téléphone que vous recevez chez vous qui ne fonctionne pas. Alors, on a beau me dire que, et c'est le phone qui le dit, c'est les premiers lots. Donc ça veut dire que les gens qui se ruent sur les téléphones de chez Ulefone et qui veulent l'appareil dernier cri de chez eux, auront des smartphones qui ne tourneront pas ou qui seront vraiment bancals. Donc la conclusion, c'est voilà, il fonctionne enfin, mais alors par quelles étapes il faut passer pour y arriver? Bref, il n'est pas fait pour l'utilisateur lambda. Sur ce, on clôture, pardon, le débat du P8000 de chez Ulefone. On vous dit donc un bientôt. À la prochaine, et surtout n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit pouce vert et à vous abonner pour nous suivre, car notre politique, c'est d'être le plus honnête et le plus clair possible, afin que vous puissiez vraiment voir quels sont les téléphones de qualité et ceux qu'il faut vraiment éviter. Maintenant, si vous désirez quand même un P8000 et faire vous-même les mises à jour et avoir un smartphone qui est plutôt sympa, voilà, dans vos mains, bah, vous pouvez acheter sur les boutiques partenaires telles que Gearbest, où celui-ci vient de chez donc Geekbuying, ou alors sur la boutique sinophoenix.fr, comme ça vous l'achetez directement en France sans taxes supplémentaires. À plus, à ciao et à la prochaine.